à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de gainage sur le côté. Allez, je vous montre tout ça. Donc, vous allez venir au sol, vous allongez sur le côté. Vous allez venir en appui sur votre avant-bras. Bien vous aligner là sur le, au niveau du corps. Les jambes sont fléchies et vous allez venir prendre appui donc sur votre coude et sur vos genoux. Et décoller le bassin. Pour les plus forts, vous pouvez également tendre la jambe au-dessus. Et on repose. On va faire ça 5 fois de chaque côté. J'inspire, je décolle mon bassin. Pour les plus forts, je décolle la jambe au-dessus. Et je repose. Encore une fois, ne bloquez pas votre respiration. Décolle les fesses. Pour ceux qui souhaitent rester dans cette position-là, aucun souci. Et je redescends. Si c'est la première fois, c'est normal, c'est un petit peu difficile. Pas de souci. À votre rythme, hop, je décolle le bassin et je repose. Une dernière fois de ce côté-là. J'inspire, je souffle, je décolle mon bassin, je m'aligne, voire je lève la jambe supérieure. Et je repose. On va bien sûr faire la même chose de l'autre côté, donc allongé cette fois-ci sur le côté gauche. En appui sur mon avant-bras gauche, je m'aligne pour avoir le corps complètement droit et mes jambes sont fléchies. Je vais pouvoir venir prendre appui sur mes genoux et sur mon avant-bras. Vous pouvez tout à fait laisser aussi la main droite et vous aider de la main droite pour décoller le bassin. Et je repose. J'inspire. Et je souffle en décollant. Et on vient s'aligner. Vous reposez. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Je décolle, voire je lève la jambe du dessus et vous reposez. Encore deux fois, prenez de l'air, soufflez, décollez et vous maintenez la position. Et on va le faire une dernière fois ensemble. J'inspire, je souffle, voire je décolle la jambe du dessus. Mais si vous voulez garder les deux jambes posées, voire de l'aide au niveau de la main, aucun problème. Faites selon votre niveau. Et moi, je vous dis à demain.